L'ingrédient secret pour le meilleur party, c'est le folklore. Yeah! On y va avec une autre forme très courante dans le répertoire de danse du Québec, la contredanse. En regardant cette vidéo, tu vas apprendre à caler les figures « Oui, monsieur, oui, madame » en trois étapes bien faciles. Position de départ, les quatre couples se mettent en file. Les femmes sont à droite de leur partenaire. Tout le monde regarde vers le caleur. Les gens mettent leur main droite sur l'épaule droite de la personne devant eux. À la maison, c'est possible de faire la danse avec un nombre illimité de couples. Ça peut être deux gars, deux filles, comme ça vous chante. Première étape, on le fait une première fois avec le caleur Ghislain. Tu pourras t'inspirer de sa façon de décrire le mouvement et de faire ses belles figures. Allons-y! Quatre couples, un derrière l'autre, face à face, deux par deux, et c'est parti! Et quatre petits pas en avançant, et quatre petits pas, puis en reculant, et quatre petits pas en avançant, puis quatre petits pas en reculant, la ligne des anges autour des yobs, vous descendez, puis vous remontez, on fait tourner les bouts, on fait tourner les bouts, et on commence! Et quatre petits pas en avançant, puis quatre petits pas, puis en reculant, puis quatre petits pas en avançant, puis quatre petits pas en reculant. La ligne des yobs autour des anges, vous descendez jusque dans le fond, revenez chez vous, rendu au bout. Face à face, à la main droite, changez de côté, à la main gauche, revenez. Un crochet droite, un crochet gauche, dos à dos par l'épaule droite. Par l'épaule gauche, dos à dos. Le coupe du bout, c'est à votre tour. Les mains, les unes dans les yeux. Vous descendez, vous remontez. Séparez-vous, lancez dans vos accordéons. Chacun votre bord et on fait le pont. Vous descendez. On se frotte les talons, c'est le plancher du salon. Puis à moi d'homme, on jette des hondes, on dit donc du rigodon. On recommence. À la main droite, changez de côté. À la main gauche. Vous revenez, un crochet droite, main tour par la gauche, un crochet gauche par la droite. Et dos à dos, par l'épaule droite, par l'épaule gauche. Le coupe du bout, ça va être à votre tour. Les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, vous descendez. En poche chassée, séparez-vous donc. On fait le pont, et deux par deux, en dessous du pont, vous descendez. Main dans la main, continuez votre chemin, ça va bien. Et on recommence! À la main droite, changez de côté, à la main gauche, vous revenez, un crochet droite, demi-tour par la gauche, dos à dos, par l'épaule droite, par l'épaule gauche, changez de côté, dos à dos. Le coupe du bout, c'est dans votre tour, les mains, les yeux dans les yeux, vous descendez, revenez chacun chez vous, on fait le pont, et deux par deux, en dessous. On vous descendez, puis vous remontez, et on recommence. À la main droite, changez de côté, à la main gauche, revenez. Crochet droite, crochet droite, crochet gauche, dos à dos, par l'épaule droite, par l'épaule gauche. Le coupe du bout, le dernier coupe. Les mains dans les mains, attention, vous descendez, séparez-vous, dansez dans vos accordéons, on vient dans le fond. On fait le pont, vous descendez, et deux par deux. On se frotte les talons, plancher du salon, rendu chez vous, attention! Freestyle! Domino! Ouh, j'ai chaud! Deuxième étape! T'essaies de caler la danse avec le texte qui défile en bas de la vidéo.
Commences-tu à être à l'aise avec la contredanse? Parfait! Troisième étape, on la refait avec rien que la musique. C'est pas un concours. Le but, c'est d'avoir du fun en gang. Vraiment le fun, cette danse-là! Si jamais tu as le goût d'improviser d'autres figures de danse trad, écoute le vidéo de musique pour danser.